Hello! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, c'est bientôt la Saint-Valentin. Il me semble que c'est lundi. Oui, c'est ça, lundi. Et franchement, pour l'occasion, je me devais, mais je me sentais de faire une vidéo pour le thème. Donc, bref, en gros, j'ai sélectionné 5 tenues pour le jour J. Les go! On va slay. Non, mais tu vas envoyer. Hein. Attention, tu vas envoyer. Mais voilà, donc du coup, j'ai prévu quelques tenues de ma garde-robe que j'ai trouvées par-ci par-là, assez sympathiques pour l'occasion. Que je vais vous montrer dans quelques instants. Faut envoyer en fait. Et les gars aussi, hein, attention, c'est pas que les meufs qui doivent envoyer pour la Saint-Valentin. Faut se faire beau, tu vois. Mais je préfère dire, t'es pas obligé d'être en couple pour fêter la Saint-Valentin. Tu peux très bien le fêter avec, je sais pas, ta mère, tes copines, avec toi-même si tu veux. Tu te poses avec toi, tu passes un bon moment avec toi-même, tu rigoles avec toi-même. Ça fait du bien aussi, tu vois. C'est pas une fête que pour les couples, je trouve. En tout cas, c'est que mon avis. Et bref, voilà, en tout cas, j'ai sélectionné 5 tenues, 5-6 tenues que je vais vous montrer. Parti! Tenue, les gars. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler? La tenue parle d'elle-même. Je propose qu'on fasse une minute de silence pour cette tenue parce qu'elle est incroyablement belle. C'est parti. Elle mérite 5 minutes. Je suis très émue. Bref, non, sérieusement. Hey, cette robe, c'est la mort. Il n'y a pas son 2, il n'y a pas son 3, il n'y a pas son 5. Elle est, mais attendez. Ça, c'est pour les grandes occasions. Faut que ton mec mérite, pardon. Aïe, 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 aïe. Mort subite. Rouge. Rouge. La robe, elle est rouge. Elle est belle. Oh mon Dieu, elle te fait un corps. Elle fait un corps trop, trop beau. Elle est juste incroyable. En plus, je l'ai portée pour mes 21 ans, cette robe. Trop belle. Je l'ai achetée sur AliExpress pour moins de 10 euros. S'il vous plaît, moins de 10 euros, donc voilà. Avec ça, tu prends ce petit sac blanc. Honnêtement, ce sac contient littéralement ma patience. Il ne sert à rien, c'est juste pour faire la meuf. Tu peux mettre quoi? Ta carte bleue, tes clés. Honnêtement, clairement, c'est bruit, tu tends le téléphone à la main. Avec ça, tu mets des petites sandales ou des petites mules transparentes. Honnêtement, ça, faut grave avoir ça dans sa garde-robe. C'est la base, en fait, ça va avec tout. Et... dire, hey, elle envoie trop cette robe. Genre, t'es trop quelqu'un, wesh. Je vais essayer de vous retrouver. Ah non, mais non, il n'y a pas de lien. Parce que je voulais la prendre en d'autres couleurs, mais elle a disparu la robe sur elle. Donc voilà. En tout cas, elle est incroyable et ça va trop bien avec le thème le rouge. Ça fait femme fatale, sexy. T'envoies. Prochaine tenue. Et deuxième tenue, c'est cette petite combinaison. Est-ce qu'on peut en parler, s'il vous plaît? On va en parler. Elle est juste incroyablement belle. Vous êtes d'accord? Oui, vous êtes d'accord. Non, mais sérieusement, elle est trop belle, cette combi. Je l'avais achetée sur Pretty Little Thing. Mais ça date, ça fait genre 2-3 ans. Honnêtement, elle est juste trop magnifique. La couleur, déjà, elle est super belle, je trouve. Les petits détails des manches, elle est pas def. Elle fait un hyper beau corps. Elle pose vraiment tes formes et tout. Et en plus, franchement, c'est une tenue, tu peux la mettre pour plein d'occasions. Honnêtement, moi, je sais que je l'avais mise pour un mariage et elle faisait grave bien l'affaire. Du coup, pour la Saint-Valentin, pour le thème, en gros, moi, je l'aurais mise avec des petits talons jaunes, des petites sandales jaunes ouvertes et tout, super mignonnes. Du coup, c'est des sandales que j'avais achetées chez Zara il y a longtemps. Je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, en 2019. Ouais, ça date un peu. Mais honnêtement, les deux combos, talons jaunes et ça, ça fait trop, trop beau. Donc les gars, troisième tenue, c'est cette petite robe. J'aime beaucoup. Il y a des épaulettes. Tu sais, les détails là, c'est un tableau, je crois. C'est une bonne essence, si je dis pas de la merde. Je l'ai acheté sur Pretty Little Thing. Catégorie shape, toujours la base. Hein. Moi, j'achète que ça sur Pretty, que cette catégorie-là. Je la trouve vraiment super mignonne pour l'occasion. Petit dîner en amoureux avec ta copine. Avec ta maman, elle, peu importe, elle est trop belle, je trouve. Avec ça, tu mets des petits talons noirs, tech. Ça fait l'affaire des petites sandales noires, hautes quand même, ouvertes et tout, avec un beau petit vernis. Mais ma chérie, tu slayes là. Ah oui, et les talons, je les ai achetés sur AliExpress pour même pas 15 euros. De toute façon, Ali, qu'est-ce que je n'achète pas là-bas? Donc voilà, petite robe vraiment sympatoche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup celle-là. Prochaine tenue! Voilà les gars, quatrième tenue. Donc j'ai opté pour ce petit haut noir. Super mignon, le détail des petits chaînes autour du cou. Franchement, j'aime trop. Ça, c'est le détail de la mort. Et bon, ça peut me tuer. J'aime trop. Ça fait trop la gif. Il est trop mignon. Donc avec ça, j'ai pris un petit pantalon en jean, pas de dev. Voilà, classique. Les deux vont bien ensemble et tout.
Et pour égayer un petit peu ma tenue, j'ai opté pour des petits talons jaunes, histoire de ramener un petit peu de couleur. Donc voilà, honnêtement, cette tenue, elle fait grave le taf. Elle est simple, en même temps très efficace, le petit détail du haut et tout, franchement ça fait grave quelque chose. Et voilà quoi, j'aime beaucoup en tout cas. Donc on va passer à la prochaine et dernière tenue. Hi Beyoncé, is that you? Oh ok, thanks, bye. Quand je porte ce genre de robe, personne n'a le droit de me parler. Je sais pas qui me peut à l'heure actuelle, là je me sens plus blessée. Ne me parlez pas, je ne sais pas qui vous êtes. Wouh! Ce genre de robe fait ressortir la femme qui est en moi, la tigresse qui se cache à l'intérieur de mon être. Non mais attendez là, là je m'appelle plus Jenny, je m'appelle Cardi. J'en peux plus. Mais elle est trop belle cette robe, elle fait un bête de corps et tout, t'es trop présent. Là je m'imagine au state, au strip club avec une bad bitch. C'est mon rêve d'être dans un strip club. Bref, je m'égare un peu. Bref, robe super belle, léopard, on adore, très sexy, très femme. Avec ça, tu portes ce petit bag, comme le blanc là, juste à côté. Très pétale, très bad bitch, j'aime beaucoup. En plus, les deux combinés, ça fait vraiment. Qui te peut, genre, qui peut te parler? Personne, absolument personne. Avec ça, tu portes des petites sandales à talons, tu sais, à lacets, à et tout, Insta A. Mais honnêtement, elles sont très très belles. Celles-ci, je les ai achetées sur Pretty Little Thing. La robe aussi, je l'ai achetée sur Pretty Category Shape. Toujours, hein. Faux. Merci. C'est ma dernière tenue. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé les petits essayages, les petites tenues que j'ai pu vous proposer pour l'occasion. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire quelle tenue vous avez préférée et quelle tenue vous pourrez acheter aussi. N'oubliez surtout pas de liker, commenter, partager ma chaîne et de vous abonner, évidemment. En tout cas, voilà, moi je vous souhaite une excellente Saint-Valentin, peu importe avec qui vous passez, honnêtement. Pour ma part, c'est terminé et je vous dis à bientôt. Mouah! On va provoquer le couple d'en face. Provoquer le couple d'en face, chaud. En tout cas, les filles, vous allez être fraîches.